réserve. Eh bien bonjour, bienvenue parmi nous en Méditerranée pour une pêche aujourd'hui à la verticale. Et je serai en compagnie de Jojo et de Greg, mes compagnons de pêche. Aujourd'hui, on va chercher essentiellement tout ce qui est sparidé avec des cannes en casting pour le light jigging. Pour cela, on va utiliser des inchiku, ce qui va représenter un petit calamar qui se déplace sur le fond en mode fuyant. Alors pour cette pêche, aujourd'hui on va utiliser une canne jigging light, casting, avec le mounet sur le dessus, qu'on a mis au point avec Caperlan, qui est vraiment dédié à la pêche à l'inchiku en casting. Alors la particularité de cette canne, c'est qu'on a des anneaux qui partent sur le dessus en casting, et on part en spirale, ce qu'on appelle acid wrap, qui permet un meilleur équilibre de la canne. Et on a un nombre d'anneaux qui est de 12. On a l'anneau de départ qui est positionné sur le dessus pour le casting. Et après, on va partir légèrement sur la droite tout en tournant autour du blanc afin de contrer la poignée qui est à gauche, la manivelle, ce qui permet un meilleur équilibre de la canne pendant les animations et éventuellement les combats. Dessus, nous avons les moulinets casting, manivelle à gauche développée pour les droitiers. À l'intérieur, je vais avoir de la tresse en 30 livres, de la Daiwa tournament 8 brins, c'est ce qu'on a trouvé de plus fin afin de remplir le moulinet de 300 mètres. Car malgré la recherche spécifiquement à la base sur le sparidé, il nous arrive des surprises sur des pélagiques tels pélamides, céréoles et quelquefois des tons. Donc je vous disais, nous sommes en 30 livres en tresse pour la bobine dans le moulinet. Et en bas de ligne, nous avons du 20 livres, ce qui correspond généralement à du 37 centièmes, 40 centièmes. Et au bout, on fait un raccord 13 fluoro, un nœud sans nœud, qui permet de passer dans les anneaux sans ressentir l'accroche. Et on finit de mettre 7 mètres de fluorocarbone en 20 livres. Nous, on préfère personnellement un émerillon rolling avec un anneau brisé pour éviter les risques d'ouverture avec le poisson, pour plus de sécurité. Et là, aujourd'hui, on utilise du 150 grammes. On est toujours en général 120-150 grammes pour pêcher dans des profondeurs allant de 60 à 120 mètres. Alors là, j'utilise un inchiku pirate de la marque Daiwa, qui en fait représente un calamar. Et son animation va être des animations douces sur le fond, représentant l'encorné ici par le plomb et les tentacules avec l'œil. Et on va à la recherche des poissons. Voilà, là j'essaie de compenser la dérive parce qu'on a quand même un nœud 2, un nœud 4 de dérive et on est sur des profondeurs de 110 mètres, 115 mètres pour essayer d'être en fait le plus possible à l'aplomb, comme c'est une pêche à la verticale, d'être le plus à la verticale possible. Ensuite, la particularité de cette canne, c'est son sion qui est ultra souple. Donc voilà, là je suis arrivé sur le fond, hop, je prends le contact et je vais aller faire des animations toutes douces ou sur lesquelles en fait je ressens le leurre grâce à son action. Une des particularités aussi de cette pêche là, c'est pas comme le jig où il faut vraiment le faire voltiger de droite à gauche. Là on représente vraiment une nage. Donc un calamar qui fuit va toujours aller en marche arrière. Et le sion étant souple et étant bien accompagné par le reste du blanc évite en fait les sauts de l'inchiku si on avait des mouvements un peu trop brusques. Même en mode accéléré, la nage est toujours sinueuse sans sauter. En fait, on différencie nos animations selon le type de poisson et le type de poste où on se trouve. Quand on sait que sur une certaine zone on va trouver plus d'épagres, on essaye d'avoir des animations plus lentes, plus discrètes, plus souples. On sait que le pagre aime ça. A contrario, le denti, lui, par contre, il aime plutôt les animations un peu plus franches, qu'on bouge un peu plus le leurre. Les leurres un peu inanimés, ça lui plaît pas trop. Donc en fait, quand tu cherches le sparidé typique, tu remontes maximum entre 5 et 10 mètres, tout doucement. Là, pour le pagre, admettons, nous, on fait vraiment des animations assez fines. On s'arrête souvent, beaucoup de pauses. Et on remonte sur 5, 6, 8, 10 mètres, on laisse redescendre. On fait ça tant qu'on est bien pêchant. Une fois qu'on est trop loin, on remonte et on accélère un peu en pleine eau. Après, pour du denti,
Pour du denti, on animera plus dans ce style. Un peu plus franchement. Et ça leur plaît plus. Ça leur plaît plus. Voir la ligne chikou bouger un peu plus rapidement, ça leur plaît plus. Alors que pour le pagre, on va vraiment essayer de faire des trucs un peu plus minimalistes. On arrive vraiment à pêcher sur toutes les couches d'eau en fait, que ça soit sur le fond et en pleine eau, jusqu'à la surface. Hein. On a déjà eu des tapes de petits espadons à 10 mètres sous le bateau. Ça nous est déjà arrivé quelques fois. Vraiment, l'Inchiku permet de pêcher toute la colonne d'eau. Après, ça dépend de la profondeur où on se situe. Là, on est entre 96 et 100 mètres. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'avec ces cannes tellement sensibles, on ressent vraiment tout. Malgré la profondeur. Puis le gros avantage avec le casting, c'est surtout qu'on arrive à ressentir directement le fond, à être en action directe. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins fatigant sur l'animation des leurres qui font quand même 150 grammes en moyenne, 120 grammes, 150 grammes. Par 100 mètres, ça tire quand même beaucoup. Et la force du casting permet vraiment de travailler le leurre sans effort par rapport au spinning. Un des très gros avantages du casting. En plus de ça, on a un côté tactile. Quand on pêche comme ça en casting, on a les deux mains prises sur le moulinet, on est concentré sur son action de pêche. On ne quitte pas, on est toujours concentré. Si à tout moment on se fait prendre à la descente, on a toujours les mains prises et toujours concentré sur son action de pêche, on ne bouge pas. Alors que sur du moulinet spinning, on serait obligé à chaque fois d'aller débrayer le pick-up, laisser retomber, le refermer, recontinuer à pêcher, débrayer. Alors que là, on a les mains prises sur le moulinet, la canne, on ouvre, on renclenche. On ouvre, on renclenche, on est vachement plus tactile, on arrive vachement mieux à jouer sur le fond, plus rapidement et plus précisément que sur du spinning où on est tout le temps obligé d'aller jouer avec le pick-up. Poisson! Ouais, pousse ça. Pika. Non, pack, bien. Pas très gros. Ouais, mais pas très gros, je pense, pas très gros. Poisson qui doit avoisiner le kilo 5. Mais quoi sur le fond ou pas? 2 kilos. Oh! Poisson! Ouais, doublé, c'est bon ça? Yes, papa, c'est bon ça? En plein, à au moins 40 mètres. Sérieux? Ouais. Bon ça? Ah, ça c'est bon ça! Doublé en direct. Carrément, décollé d'au moins 40 mètres. Oh, ça sent la pella ça. Ouais, ça se tremble. Non, ça tremble. Ouais. Ou pella ou macro, je sais pas, mais. C'est pas violent pour l'instant. Ouais, ça sent la petite pella. Hein. Et toi, t'es là? Allez, je te le prends. Allez. Ouais! Oh, triplé! Poisson! Derrière toi! Oh, lâché! Ah. Lâché! Viens. C'est bon? Je l'avais annoncé. Hein. Beau. Il y a des belles couleurs. Hein. Il s'est bien battu. Petit pagre qui s'est très bien battu. Vous savez, moi, c'est là aussi. Oh putain, Pella. Ça, c'est une Pella, ça. Vu comment ça se bat, Pella. Belle Pella. Belle Pella, oh. Belle Pella. Joli, beau combat. Yes, papa! Yes, elle est belle! Belle Pella! Allez, c'est reparti! Là, on a une bonne dérive d'être, c'est pas mal. Ouais, la dérive, elle est bonne, là. On a un nœud 2, un nœud 4... Poisson! C'est bon, là. Ah ouais, c'est un poisson. Yes, papa! Ça, c'est un chapon. Ça, c'est un chapon, ça. Bouche ouverte, ouais, comme un ça. Beau chapon. Ça, c'est un beau chapon, ça. Yes, poulet avance un petit peu, voilà. Voilà, je pense que là c'est un chapon. Il y a des fortes chances. T'as des petits coups de tête ou pas? Ah, vu comment ça tire, ça. Typé chapon et qui remonte avec la gueule ouverte et qui boit tout l'eau qu'il peut. Bah alors, le gros avantage en fait avec ce pêche à l'Inchiku, c'est vraiment que le calamar est la proie favorite de plein de poissons chez nous en Méditerranée. Et il nous est arrivé de prendre chapon, pélamide, céréole, sabre.
pagre, mostel. Il nous est arrivé aussi même de faire des poulpes. Saint-Pierre. Oui, exactement. C'est vraiment, on peut vraiment varier beaucoup, beaucoup de poissons différents. Et là, je sens que on a attrapé une nouvelle espèce. Ah, ça doit être une gorgone là. Une espèce de pierre vorace. Non, c'est poisson, regarde. C'est un chapon. Non, chapon. Chapon. Gros chapon. Chapon. Et voilà, beau chapon. Ah, gros chapon, poulet. Beau poulpe. Ah, poulpe. Beau poulpe. Tu vois, regarde. Je te le disais, poulpe. Je te disais, poulpe. Voilà. Il est beau, hein. Il faut que tu mettes ta main pile au milieu, là où il y a le bec. On le laisse pas se coller au boudin. Hein. Ah, oh, t'as rôlé la gueule. Gros, putain, c'est gros poulpe. Beau poulpe, poulet. Tu vois, justement, je te le disais tout à l'heure. Beau spécimen, quand même, là. Ouais, là, il y a de quoi faire une bonne salade. Beau bébé, hein. Vas-y, montre-la à moi. Bon, ben, je vais vous montrer un montage complet pour la pêche à Inchiku, en commençant par le raccord 13 fluoro et en finissant par le raccord agra fleur. Alors pour cette pêche, comme j'avais dit précédemment, on a pris nous de la tresse 30 livres, 8 brins de chez Daiwa. Et je vais raccorder en bas un bas de ligne un peu plus fin en 20 livres, soit du varivas, soit du ciguar, c'est les deux qu'on utilise régulièrement pour cette pêche. Donc là, je vais prendre le varivas et on va faire le raccord. Alors là, je vais d'abord commencer par faire le nœud en 8 qui consiste à passer deux fois dans la boucle et je vais serrer tout doucement afin d'obtenir un 8. Hop, on le voit bien. Là, je vais récupérer ma tresse que je vais faire passer dedans. Comme on peut voir, le fil sort du 8, donc je vais rentrer dans le même sens et suivre le fil. Je le passe devant. Et je vais le ressortir dans le même sens. Je repasse dans le 8. Hop. En fait, j'ai juste suivi le même chemin. Là, je vais prendre une trentaine de centimètres de tresse. Je vais mouiller le nœud. Et je vais légèrement le serrer. De là, je vais pincer juste afin de tenir une petite boucle sur mon retour de nœud, sur un centimètre. Et je vais faire 20 spires autour du fluoro. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai fait les 20 spires le plus jointif possible, ce qui permettra d'avoir un meilleur serrage à la fin. Et là, je vais refaire 20 spires en revenant par-dessus, toujours dans le même sens. Je reviens dessus mes spires. Toujours en faisant des spires jointives. Ce qui va permettre après le serrage, de venir comprimer le fluoro, ce qui va faire une micro chaussette qui sertira le fluoro. Hop. Quand j'arrive à la fin de mes spires, là où j'ai ma boucle que j'ai gardée avec en pinçant, je vais passer à l'intérieur et faire une demi-clé. Passe dedans et je reviens la chercher à l'intérieur de la boucle. Chose très importante, avant de serrer, j'humidifie. Je viens juste embuter contre mes spires et là je vais reprendre la tresse et je vais accompagner mes spires pour qu'elles descendent jusqu'au nœud en 8 qui va s'auto-serrer avec les deux et faire, vous allez voir en tirant, une chaussette autour du fluoro. Le nœud en 8 sert juste
de nœud d'arrêt pour pas que la chaussette recule. Donc là. Et je le serre. Là, les spires sont mises les unes sur les autres. Et on sertit le fluoro. Pour assurer le nœud, je vais faire quelques demi-clés derrière le nœud en 8. D'abord une sur la tresse pour bloquer mon nœud en 8. C'est juste une précaution. Hop. Et là maintenant, je vais faire des demi-clés, toujours pareil, mais sur le fluoro et sur la tresse en même temps. En faire 4-5, ça suffira. Hop. Toujours, j'humidifie. Et je serre. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Hop. Là, je vais couper le surplus de fluoro à ras et je vais encore refaire 5 demi-clés pour cacher ce bout de fluoro que j'ai coupé. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. Là, je laisse juste cette petite partie de 3-4 mm pour que le fil ne s'effiloche pas. Et là, vous avez un nœud qui passera très bien dans les anneaux et qui permettra de mettre 7 mètres, 6 mètres de bas de ligne en fluoro. Bon, voilà, on a fini le raccord 13 fluoro. Maintenant, on va passer sur le nœud émerillon à graphe pour accrocher l'Inchiku. Je vais prendre ce qui me reste de fluoro dans la bobine. On va prendre mon rolling avec mon agrafe et on va faire le nœud de raccord. Alors pour ce nœud, je vais prendre le rolling, je vais passer une fois dedans. Et là, je vais faire trois passages dans la boucle du rolling. Une, en faisant le tour de mon doigt pour garder, parce que je vais refaire passer le fil dedans. Deux. Et trois. Et là, je vais libérer. Je vais faire le tour de ma ligne. Et je passe dans mes boucles. Je passe, je fais le tour de ma ligne, je passe dans mes boucles. Et là, je le rapproche tout doucement. En serrant, en mouillant. Toujours. Qui me permet de prendre le rolling sur trois spires qui va favoriser
la résistance au niveau du nœud. Et là ensuite je vais partir sur que des demi-clés, une fois par dessous le fil, une fois par dessus le fil. C'est parti. Une. Par dessus. Deux. Par dessous. Et je vais en faire 10-12 comme ça. Voilà le nœud. Ça va essayer à la fois protéger le nœud près de l'émerillon et frotter et protéger des frottements qu'il pourrait y avoir éventuellement au-dessus. Je lâche toujours 3 mm et le nœud est prêt. Et maintenant je vais raccrocher l'inchiku. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouais, mais c'est bizarre que ça... Ouais, j'écoute bien décoller, là. Bien décollé. Oui, regarde, bien décollé, ouais. Il y a des beaux échos de... Ça, c'est ouais, bon ouais. Raté. Oh, tu l'as vu ou quoi? Ouais. Il y a un poisson, là. Beau poisson. Allez, ça va faire. Si on les a trouvés, c'est bon. Ouais, touche en direct. Poisson. Pas gros. Ouais, c'est que la fille sur le sondeur. Je suis en train d'y aller. Je sais pas, ça a mis des beaucoup de têtes sur le fond. Ouais, mais c'est un petit pag ou un petit dorade rose. Oh. J'aime pas. Ouais, hey, regarde, petit pag. Eh ben, vé, ta séance, ça va être là. Je vais te décompresser un peu. Ouais. Ouais, c'est beau. Vas-y, passe poulet. Il y a des belles couleurs, hein. C'est ça qui est beau sur le parc. T'as vu les petites couleurs blanches derrière, là, les trois petites taches. Il y a des belles couleurs. Un bébé pag. Un bébé. Un petit bébé. En fait, il y avait de l'activité dessus, hein. Vas-y. Reste cool. Bon, là, c'est quand même un petit poisson. On va le remettre à l'eau. On va le laisser grandir pour l'année prochaine. Allez, mon poulet. Allez, va grandir au petit. Tiens. Ouais. Bon, vraiment les belles couleurs. Il repart bien, là. Ah, il repart bien. Hein. Bravo, mon poulet. Alors, en gros, sur ce bateau, quand on l'a acheté à 3. Et mes deux collègues, ils sont pro Furino. Et moi, j'étais pro Lorenz. Donc, du coup, il fallait qu'on trouve un compromis pour réussir à garder les avantages de chacun. Donc du coup on a gardé le Lorenz qui est très très performant en 50 Hz sur des poissons de fond, Sparidé et autres. Et alors que le Furino lui est vraiment très très performant sur les poissons de plein eau en 200 Hz. Et il prend vraiment bien les cérioles et les thons. Alors que le Lorenz lui a plus de mal, mais par contre sur les poissons de fond il est très bon. Donc du coup on a trouvé ce compromis de garder un HDS5 qui nous sert en carto et en 50 en écran partagé. Et le Furino en 200 Hz. Et bon, pour ça, on a dû monter les deux sondes, une sonde à droite et une sonde à gauche aux deux extrémités du bateau, et une qui travaille en 50 et une qui travaille en 200. Ça nous permet de bénéficier des 600 watts de chaque sonde pour chaque fréquence. Et comme ça, on a tous les avantages de chaque sondeur, on essaye de les exploiter au maximum. Voilà. Ouais!
Poisson. Ouais. Beau. Non, non. Ouais, tiens, regarde. Bien. Beau poisson, beau poisson. Bien. Ouais, ouais. Bello. Bello. Je te dis, ça, au sondeur, on l'a vu, regarde. Belle, beau belle, poisson, hein. Beau poisson, bravo. Allez, ça fait plaisir. Ah, beau poisson, on a pris un peu frein. Ça a ouvert ? Ouais, ouais, ça a ouvert. Ça a ouvert, ça fait ouvert, plus ouais. 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos. Allez, ah, je bats bien, regarde, regarde. Beau poisson, beau pas. Ah ben, c'est bien, on les a trouvés. Ah, elle est bien sensible. Allez, c'est une bonne carte. Non, non, elle est bien, bien. Elle travaille bien. Envoyez les échos au sondeur. Hein. Ah, nickel, nickel. Ah, c'est bon, on a réussi à leur mettre la main dessus. Alors là, sur cette canne-là, c'était mon deuxième jet. Et elle a une couleur différente parce que c'était les premières protos. Mais c'est exactement la même canne. Après, sur l'animation, là, c'était juste de la cosmétique. Parce qu'on avait déjà installé les anneaux aux endroits où on voulait. Et le blanc qui était déjà travaillé. Ah, beau, beau, beau poisson. C'est quand même agréable avec ces cannes fines. On ressent vraiment tout. Ça, c'est lui, c'est lui. En dessous aussi ? Ouais. Hop. C'est lui, il décompresse. Allez, t'as vu tout le long, il m'a mis les coups de tête là. Ça, t'es un beau poisson, je pense. Hein. Attends, décale. Il arrive. Allez, c'est bien battu. Petit pagre qui s'est très bien battu. Hop. Il m'a fait un beau combat hein, parce que tout le long il s'est battu, je m'attendais à vraiment plus gros comme poisson. Hop. Vraiment, je pense chez les poissons un athlète. Bien combatif. Hein. Et là, a priori, on a trouvé la zone où ils étaient parce que... C'est pas du fils, ça, c'est fou. On en a fait un petit, je suis un peu plus gros et il y a pas mal de vie quand même au fond là. Renvoie. Tu vois le but, on a pris un peu prospecté un peu toutes les couches d'eau, on a essayé pas profond, regarde, regarde profond, très profond. Et là je pense qu'on a vraiment trouvé la zone où il y a le poisson. T'es un champion. Et là je vois mes collègues qui s'excitent, je pense que le poisson est vraiment actif en ce moment, donc je vais me dépêcher. Regarde. Celle qui a de l'effort. Ouais, c'est petit. Alors qu'est-ce qu'on a attrapé? 100 ans. Et la soupe de poisson. On connaît. Rouget Grondin. Oh. Que toi t'es plein de Rouget Grondin. Moi je suis plein de Rouget Grondin. Oui monsieur. C'est ça qui est fou quand même. Hein. Une touche d'un si petit poisson. Comme on la ressent. Elle est magnifique, j'adore cette couleur. Ah, il bouge plus poisson. Que l'autre. Hein. Poisson, touche en direct, beau poisson. Beau poisson. Ouais. Yes, papa, ça c'est bon ça. C'est un beau. Voilà. Beau poisson. On se dépêche. Beau poisson. Quand ça pite, on veut monter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche. Les mères. Insolite, la bonite ici est ton. Je vais pas te la raconter. Décroché. Ah mince. C'est quoi ça? Beau pagre, tu crois? Beau pagre. Ah ouais, beau pagre. Bon. Alors voilà, pris par 115 mètres. Une toute petite touche, mais bien ressentie par la canne. Et là, Greg vient de perdre un beau poisson. Bon, ben là, je viens de décrocher un beau poisson. Du fait que je suis monté en 16 livres sur cet ensemble. Et en 16 livres, la règle, c'est 16 livres, 1,6 kg, 1,5 kg de frein. Donc j'avais pas assez de pression pour planter l'hameçon dans la mâchoire du poisson. Malheureusement, il s'est décroché. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. On va y retourner, on va essayer d'en faire un autre. Les fielas, et c'est parti. Oh, fais comme il est reparti nickel, tu vois. Il est reparti nickel. Sébastien, non. Bernard Lambert. J'imagine quand même par 100 mètres de fond. Voilà, donc c'est un Lambert Royal, comme vous pouvez voir, c'est un très joli poisson avec une belle dorsale, de belles couleurs. Voilà, c'est vraiment un joli poisson. Bon, c'est pas ce qu'on recherche, mais bon, c'est un joli poisson. On va le remettre à l'eau. Côté pêche, on se dépêche. Quand ça pite de remonter le poisson. Là, on mérite un gros pagre et une céréale. Insolite la bonite ici. Poisson. Je vais pas te la raconter. Ouais, beau poisson. Titans font la Méditerranée. Voilà, petit pagre. Petit pagre.
une baie, une verra ? Ouais, pour un petit poisson comme ça, ouais, parce qu'il y a du courant, il y a du jus au fond. Donc c'est servi du jus pour... C'est un joli petit poisson. Et là, on va aller en chercher un plus gros, bien sûr. C'est un sarang guidé. Attends, doublé poulet. Attention, fais gaffe à la canne, pas la canne. C'est un sarang qui sort les yeux. Côté pêche, on se dépêche. Qu'un sapite veut remonter le poisson. Côté pêche, chapon si pas la mèche. Vu la lourdeur du poisson, je pense que c'est un chapon qui arrive la bouche ouverte. Donc forcément il est lourd. Poisson. Petit. Là j'y vais doucement pour la décompression. Voilà. Chapon, hein. Eh, Sébastien. Sébastien, c'est un petit Sébastien. Eh, je pense que je te ramène son frangin là. Eh, il a des belles couleurs, hein. Beau petit poisson rouge. Eh, il est beau, hein. C'est un joli petit poisson. Des belles couleurs, hein. De belles couleurs. Des grandes bouches. Des gros yeux. T'as bavé, regarde, je remonte son petit frère. Le même. Un petit Sébastien. Côté pêche, on se dépêche. Allez, il est là. Quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche. Insolite la bonite ici est on. Je vais pas te la raconter. Les petits temps font la Méditerranée. Faut faire attention parce qu'il y a quand même des épines de chaque côté là qui font assez mal sur ce piqué. Allez. On le renvoie à la maison. Et il repart tout doucement, mais sûrement. Bon ben voilà, on va se quitter sur cette fin de journée. J'espère que vous êtes bien régalés en notre compagnie. On a pu vous montrer un petit peu la diversité de poissons qu'on a fait avec cette technique, qui est le light jigging en casting. Voilà, on a pu toucher une jolie variété de poissons. On était venu exclusivement pour rechercher le pagre. Et bah c'est vrai qu'on a perdu un beau poisson, c'est dommage, ouais. Mais bon. Beau rush, hein. Mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est le jeu. Hein. On gagne, on perd. Là, le poisson, il a gagné. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Allez, à bientôt.